Yeah. Look. Writing on a Bible, let me testify. I can't take the credit, owe it all to God. Walking through the valley, I was terrified. And I seen a light on the other side. When he came, it got me, I was swimming in the belly of the beast. God had all them keys, opened the locks and set me free. Used to have to go down to the center just to eat. Then he pulled me to the table and said, oh, it's time to feast. We was homeless with two kids, but we just bought a home. That was back in 2013 when he would give me clothes. I was broke, ain't had no money, my spirit never broke. Nah, never broke. I could never fold, never fold. You won't let me go. Oh, no. Tout a commencé à la halte aux garderies de Fontaine. Bon, je t'avoue que ce serait te mentir que de dire que je me souviens de notre première rencontre. Mais je suis sûre que dès notre premier regard, on a tout de suite voulu se prêter nos bisous. Puis un beau jour, tu montes ce fameux Lulu sur les réseaux. Ah là là, tu as eu un réel coup de foudre. Et tout a commencé dès ce moment-là. Mademoiselle Noémie Fabre, ou devrais-je dire maintenant, Madame Noémie Strazeri Fabre. Cet instant coupé du monde restera jamais gravé en moi, en nous. Notre histoire a commencé éloignée l'un de l'autre. Ton œil observateur a su me repérer durant nos tumultueuses années lycéennes. Il a fallu être éloigné de Grenoble, à plus de 7800 km de nos domiciles respectifs, pour commencer enfin notre nouvelle histoire. Nos premiers échanges, très soignés de ton côté, légèrement moins du mien, dissimulaient la plus belle histoire d'amour que je puisse imaginer. Ta douceur et ta tendresse, entremêlées de ton côté chef d'orchestre, ont fait de moi un homme heureux et dorénavant un mari épanoui. Cette histoire, nous allons l'écrire ensemble, ta famille, et ma famille réunie afin de pouvoir maintenant construire notre propre famille. Mon corazón, il y a exactement 1930 jours que tu es entré dans ma vie. Quand je t'ai vue pour la première fois au lycée, je me suis dit « Waouh ! Le mec, c'est une bombe !» Tu étais pour moi vraiment le BG inaccessible avec qui jamais j'aurais imaginé une relation. Est-ce que tu baises ? Mais qui l'aurait cru qu'on en serait là aujourd'hui ? Je réalise toujours pas que je suis maintenant mariée à Lucas Strazeri.
J'ai réussi à pécho la bombe du lycée et j'en suis pas peu fière. Tu peux pas savoir à quel point tu me rends heureuse. Tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé d'avoir à mes côtés. Mon meilleur ami, mon confident, mon amour, mais surtout maintenant, mon mari et j'espère un jour, le père de nos enfants. Merci mon cœur d'être toi. Merci de me suivre dans toutes mes folies. Merci d'être le soutien sans faille que tu es pour moi au quotidien. Je t'aime tellement, ta femme. Ressortir tes yeux. C'est beau mes yeux qui brillent. Ouais. J'ai des yeux de biche. Des yeux de biche. Je souhaite profiter de chaque instant à tes côtés, dans le bonheur et dans les épreuves, puisque je t'aime. Je le répète encore et encore, Noémie Strazeri-Fabre, aujourd'hui et pour toujours, ma femme. L'histoire a commencé un samedi pluvieux. Il nous raconte son rendez-vous, que ça s'est bien passé, et il nous annonce qu'il a invité à sa soirée cette fameuse fille, mais qu'il ne savait pas encore si elle allait venir. Elle arrive, et tiens, tout le monde la connaît. La soirée se déroule bien, et vient le moment où elle doit partir. Lucas la raccompagne, nous derrière la vitre de la salle à manger, attendant le bisou. Hop, le bisou. Voilà le début d'une belle histoire pour Lucas et Noémie, qui dure maintenant. Je suis fière d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous aime. Je vais faire un discours avant de rentrer dans le costume, mais il fallait pas m'en laisser un peu plus, hein.